tout le monde, c'est Jean-Philippe aujourd'hui. Allez, une petite recette pour la vie quotidienne. On va faire du sauté de porc à la moutarde avec des coquillettes. Alors pour cette recette, eh bien j'ai pris 60 g de coquillettes par personne. C'est une recette donc pour 4 personnes, c'est 240 g de coquillettes, de l'huile d'olive, un petit verre de vin blanc. On mettra 2 cuillères à soupe de moutarde. Là, 100 g d'oignons congelés et 500 g de sauté de porc coupé en morceaux. Et ne pas oublier, pour parfumer un petit peu, le cube de bouillon de bœuf. Pour le sel et le poivre, j'ajusterai au moment où je dégusterai cette recette. Et bien pour commencer, nous allons passer en mode doré. Et puis là, vous pouvez mettre tout de suite votre huile d'olive. Et oui, j'avais oublié de vous dire qu'il y avait l'huile d'olive. Pour l'huile d'olive, au niveau de la température, en fait, dès qu'elle commence à être chaude, eh bien, vous pouvez commencer à faire revenir vos ingrédients. C'est pas forcément la peine d'attendre la fin du préchauffage. L'huile est chaude, je vais pouvoir commencer à faire dorer ma viande. Attention, ça va crépiter. Je vais maintenant ajouter les oignons. Là, ça fait à peu près 2 minutes que j'ai fait revenir les sauté de porc. Je vais maintenant mettre les coquillettes. Je vais verser le verre de vin blanc. Je vais verser de l'eau pour recouvrir l'ensemble des ingrédients. Je vais émietter le cube de bouillon de bœuf. Nous allons pouvoir maintenant arrêter la fonction dorée. Et nous allons passer en cuisson rapide. Et là, pour la programmation, vous regardez le temps indiqué sur le paquet de pâtes et vous le divisez par deux. Voilà, j'avais un temps de cuisson de 10 minutes pour les pâtes. Je vais donc diviser par deux, ça va me faire 5 minutes. Voilà, je fais OK. Avec un départ immédiat, je peux verrouiller mon couvercle. Et voilà, c'est parti pour le préchauffage et pour la cuisson. Je vous dis à tout à l'heure. Eh bien, la cuisson est terminée. Je vais pouvoir arrêter mon cookéo. Je l'arrête. Je vais ouvrir le couvercle. Et puis je vais rajouter mes 2 cuillères à soupe de moutarde. Après, pour la moutarde, c'est vous qui voyez en fonction de vos goûts, si vous aimez plus ou moins épicé. Voilà, je mélange bien l'ensemble. Écoutez, je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes au cookéo.